Et bonjour à tous, c'est Vulrak. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Pro Cycliste. Nous avons donc bien commencé la saison. Le mois de janvier-février s'est bien déroulé. J'ai vu qu'il y avait des petits problèmes au niveau des commentaires. Parfois, ils étaient un poil forts par rapport à ma voix. Voilà. Donc, on est en pic de forme. L'autre fois, j'ai dit que j'ai débloqué, mais là, on est vraiment en pic de forme ici. 12 à 18 jours. Et ça va nous permettre donc au niveau de l'entraînement d'ici d'avoir une légère fatigue par rapport à notre préparation. Hein. Ici de toute façon on est en coupure par rapport à Troyes et à Popolarissima. Des étapes qui ne sont pas tellement dans notre intérêt pour nous. Si ce n'est jouer un peu de sprint au cas où. Mais le pic de forme est ici, surtout à la fin du mois. Donc on devrait y arriver bien pour nos objectifs. Bonjour à tous. Cette Alors, on est parti pour Paris-3. On doit travailler 25 km en tête de groupe. On va le faire tout de suite. Il y a du gros niveau ici. On voit notamment Nasser Bouani ou Siskevicius pour la Delco. On a aussi la BNB Hotel. Donc ça va être un niveau qui sera supérieur à hein, Nasser Bouani avec un gros niveau en tout cas. Nous on va travailler en tête de peloton pendant normalement 25 km. Voilà. Allez, ça va bientôt être bon. L'objectif à 100% ne va pas tarder d'être réalisé. Voilà, c'est fait. Comme d'habitude, on prend nos points hein, d'expérience. Ici, de toute façon, c'est tout plat avec quelques bosses. Ça va être vraiment compliqué pour nous, surtout avec Nasser Bouani. Voilà, ça va travailler pour eux. Voilà, on est à 6 km de l'arrivée. Là, ça part déjà. Là, il y a Bouani. Je vais prendre la roue de Nasser Bouani. Hein. Est-ce que j'arrive à prendre la roue de Nasser Bouani? Non, je peux pas. Cyril Barthes, non? Non, je peux pas. Il y a déjà plein de monde dans sa roue. On est parti. 1 km. Je peux pas le prendre. Ils sont tous dans la roue de tout le monde, en fait. Là, je vais prendre sa roue à lui. Tant pis, c'est la fin, de toute façon. Voilà, je suis pas un grand sprinter non plus. C'est Nasser Bouani hein, qui s'impose devant Barthes et Van Sayen. Bon, ils ont bien travaillé. Nous, c'était pas une étape pour nous. On va quand même être le premier de l'équipe à finir à la 13e position. Donc, Arkéa a été le plus en vue hein, pour rattraper l'échappée, pour rouler sur la fin. Donc, Nasser Bouani s'impose en toute logique devant Cyril Barthes et Michael Van Sayen. Au niveau du coup de mon objectif, je prends 8 points avec mon travail en tête de peloton et nous allons directement maintenant passer à la Popolarissima. Bonjour et bienvenue. Le relief de la course est plat. Le Allez, peloton c'est s'est fait. parti. Toujours pareil, travailler 25 km devant, c'est ce qu'on va faire. Pour cette Popolarissima. Au niveau des coureurs, on a un peu moins de grosses équipes. C'est Michel Aubert qui se sont déplacés à 5. Tout comme là, Léopard Pro Cycling. Je ne sais pas qui pourrait faire quelque chose. En tout cas, il y a quand même pas mal de vent. Le vent est de dos tout le long de l'étape, quasiment. Et dans le final, on l'aura un peu varié. Hop, nous revoilà pour vous montrer l'objectif à 100% qui va pop. Voilà, c'est fait. Objectif de travail 100%. On va prendre à peu près 8 points encore comme d'habitude. Nous avons un équipier dans l'échappée. Il y a beaucoup de vent, hein, 30 km/h. Là, on l'a de face. Vous voyez, sur une portion finalement, ils mettent dans le dos, mais non, on l'a de face le vent. Ça va être très compliqué pour l'échapper. En tout cas, moi j'ai fait mon job face au vent. Maintenant, on va se retrouver si ça pète un peu ou alors dans le final vers cette bosse à peu près. Donc l'échappée est reprise, on a toujours le vent dans le dos. Nous arrivons sur cette dernière bosse. On n'a plus d'eau. Colnard est en train de revenir avec, mais j'aimerais bien qu'il revienne avant parce que là j'ai plus d'eau.
Ouais, il est encore loin. J'ai envie de suivre les attaques là. Ouais, je vais suivre, hein. On verra pour l'eau de toute façon. On va suivre Visconti. Ça ne donnera rien. Là, il faut suivre, hein. Il faut suivre les attaques. Ça a cassé derrière. Je ne vais pas avoir d'eau pour la fin, à mon avis. On est quoi? On est 23. Si je suis à la fin du groupe, je peux aller demander de l'eau là vite fait. Voilà, comme ça je reste au contact. Voilà, attention. Ah non, 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 non. Me suis fait avoir. Sérieux. Par un mec qui fait quoi? Qui lâche juste quand je demande le bidon. Voilà, je vais suivre hein, de toute façon. Marengo. Ah, je suis dégoûté. Je pouvais être dans les 22 là. Bon, ça va revenir, je pense, mais c'est embêtant. Non, ça m'embête quand même. De barre, voilà, comme c'est le cas pour beaucoup. Ouais, et ben voilà, on suit Visconti. Je sais pas s'il va faire quelque chose sur cette étape, mais de toute façon on peut pas faire mieux. On s'est fait avoir, eux ils sont reposés, du coup voilà, ils sprintent. Il y a peut-être un virage là, mais bon, ça ne sera pas suffisant. Piégé, piégé par un bidon. On connaît, hein, ça arrive souvent de toute façon dans PCM. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. De toute façon, c'est sur du plat. Hein, j'aurais pas pu faire grand-chose. Mais j'aurais pu peut-être être là. Voilà, gagner 5-6 places. Bon, c'est pas très très grave. On va quand même faire un top 20 avec cette 19e place. Voilà, Popolarissima, Fortin le plus véloce. C'est lui qui remporte donc cette course. Nous, on a travaillé avec donc 9 points en plus dans la besace. Nous sommes à 70 points sur les 150 pour monter de niveau. Au niveau donc de l'objectif, voilà, c'est mon premier objectif aussi en dehors des Scenic Cup. C'est la Settima qui sera ensuite suivie d'un petit Giro. Dans 6 jours, au niveau donc du cycliste, nous sommes en fatigue ici qui commence à s'élever un peu. On va avoir la Settima, le Giro, ensuite une coupure, donc ça risque de monter, de redescendre, un truc comme ça, enfin je pense. Au niveau de la progression, bon bah on stagne hein, pour le moment, on monte pas de niveau. Et donc pour la prochaine vidéo, nous allons faire cette Settima Intercopi et Bartali qui possède donc une course de plaine, mais bon, pas si plate que ça. Un contre-la-montre. Une course de vallon en circuit, une course de côte, montagne et un autre contre-la-montre. Donc dans les deux contre-la-montre, il y en a un individuel et deux par équipe. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.